Moseka de Maléa Moderne vous dit bonjour. Malandia mission Moseka Maléa Moderne mbote mbote. De l'on a me mêlé bino l'osso. Les alloso moko kaka. Ya simple, to tchè ango ba vermicelle. Donc les alloko ba spaghetti a mikie mikie. Voilà, donc aujourd'hui je vous propose un riz au vermicelle et aux épices. Le voici, le voilà. Et comme évidemment on va pas manger ce riz tout seul, on mangera ce riz avec des ailes de poulet farcies, dont vous trouverez la recette sur ma chaîne. Donc c'est quelque chose que j'ai montré à plusieurs reprises, la technique pour désosser, les différentes farces, donc dans mes différentes vidéos vous pourrez trouver. Si je n'oublie pas, je mettrai en barre d'infos les liens vers les vidéos appropriées. Sinon, vous tapez sur la barre de recherche « ailes de poulet farcie ». Voilà, voilou. Donc maintenant, tout de suite, je vais vous montrer les ingrédients qui seront nécessaires à la réalisation de ce riz. Ce riz au vermicelle et aux épices, nous aurons besoin de 600 g de riz parfumé, 100 g de vermicelle coupé, un jeune oignon ou oignon nouveau, oignon ciboule, 2 feuilles de laurier entières, 1200 ml de bouillon de poule, donc on met le double de la quantité de riz, 600 g de riz, 1200 ml, du sel, du poivre noir en poudre, de l'ail en poudre et l'épice garam masala. Voilà, je vais un peu dire ce que c'est garam masala, donc ça se présente comme ceci. Donc c'est une épice, un mélange de plusieurs épices et je vais vous faire la lecture de ce que nous avons dans ce garam masala, parce que d'une boutique à une autre, c'est pas les mêmes épices, voilà. Donc, on a un peu de coriandre, cumin, piment, muscade, poivron, cardamome, clou de girofle, fenouil, feuilles de laurier. Voilà, c'est la composition de garam masala que nous voyons là. Voilà, donc je récapitule. Donc pour réaliser ce riz au vermicelle et aux épices, nous aurons besoin de 600 g de riz, 100 g de vermicelle coupé, un jeune oignon, 2 feuilles de laurier, de l'huile, du poivre noir, de l'ail en poudre, l'épice garam masala, du sel et 1200 ml de bouillon de poule. Voilà, au fourneau. Voilà, donc la première étape, on va mettre de l'huile en suffisance. C'est une recette de riz gras, donc vraiment à peu près 1 cm. Voilà, on met de l'huile en suffisance. On le fait chauffer. Voilà, donc on chauffe correctement notre huile. Et là, on va mettre les vermicelles. Voilà. Et maintenant, on va les dorer jusqu'à ce qu'ils changent de couleur. Ils vont devenir quasi bruns. Donc, on mélange jusqu'à quand ils vont devenir bruns. Ils vont changer de couleur. Pendant ce temps, on a besoin de laver notre riz. Hein. Donc, je vais laver le riz et je laisse dorer. Il faut juste de temps en temps touiller. Ne pas laisser brûler. Voilà, je prends le riz, je vais le laver. Voilà. Donc la coloration est correcte, je vous montre. C'est la bonne coloration. Voilà, maintenant, une fois qu'on a cette belle coloration, on va passer au moment où on va incorporer le riz. Vous voyez, le riz doit être propre. On incorpore le riz. Voilà. On mélange. Voilà. Ça sent un peu le pop-corn. Hein. C'est
Le fait qu'on ait cuit les vermicelles. Voilà. Je passe ça à la main. Toujours bien se laver correctement les mains. Voilà. Donc voilà. Donc ici, on va bien mélanger. Tenant compte que notre bouillon de poule est un peu salé, parce qu'on met du sel dans le bouillon, on va maintenant on va assaisonner en mettant une cuillère à café de chaque sorte, bien bombée, une cuillère de sel. Voilà. Je vais mettre une cuillère d'ail en poudre, bien bombée, hein, pas être généreux. Voilà. Par contre, pour le poivre, faites moins généreux. Au pire, une demi-cuillère. Hein, parce qu'il y en a qui ne supportent pas. Voilà, je mets ceci. L'épice garam masala. Je vais mettre une bonne cuillère. Voilà. Ensuite, je vais mettre mes feuilles de laurier. Et les jeunes oignons, c'est pas pour maintenant. Voilà. Je vais continuer à tuyer. Ça va attraper une espèce de forme comme si c'était du pop-corn. Il faut bien cuire tout ça. Voilà. Ça sent très bon. Voilà. Une fois qu'on a bien fait frire correctement le riz et les vermicelles avec les épices. Voilà. À ce stade, ça, il y a une odeur comme un peu de pop-corn. On va commencer à mettre notre bouillon. Donc, je mets d'abord un peu pour bien mélanger. Voilà. C'est d'abord ça parce que je veux bien mélanger. Ok, je ne mets pas des paquets de riz. Voilà. C'est une recette simple avec très peu d'ingrédients. Vous pouvez manger ça avec vos grillades, avec... Moi, ici, nous allons manger ça avec des ailes de poulet farcies. C'est notre repas ce soir. Voilà, donc la recette des ailes se trouve déjà ici sur YouTube. Je l'ai montré à plusieurs reprises. Voilà, maintenant c'est le moment de mettre le bouillon. On va mettre tout le bouillon. Donc toujours le double, le liquide, le double de la quantité de riz. Hein. Voilà. Voilà, donc ici, on va couvrir et laisser jusqu'à ce que l'eau diminue. En plus, après, on passera à une autre opération. Alors, voilà, quand le liquide s'est en grande partie évaporé, on a vraiment une bonne odeur. Maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre les jeunes oignons. En les mettant à ce stade-ci, ça permet de récupérer le parfum. Ils auront cuit moins longtemps que le reste de la prépa. Voilà. Maintenant, on va diminuer. Tout ça va cuire maintenant à feu doux. On fait ça. Alors, je vous montre ma technique. Je prends du papier sulfurisé. Je mets. Non, d'abord le papier. Ça va faire un effet vapeur.
Voilà, donc juste après le papier, je vais mettre de l'alu. Ne jamais mettre l'alu directement en contact avec la nourriture. Et je vais laisser cuire, ça va faire un effet vapeur et mon riz va cuire correctement. Voilà, je laisse cuire à feu doux. Voilà, donc selon moi, ça doit être prêt. On va découvrir ça ensemble. Je vais donc ouvrir. J'enlève. Waouh! C'est tout à fait bon. C'est prêt. Je vais goûter. C'est très parfumé. C'est vraiment un riz parfumé. Aux épices. Voilà. Je goûte. Faut goûter pour la texture, hein, pour voir si c'est bien cuit partout, s'il n'y a pas des endroits où c'est croquant. C'est parfait. Vous voyez? C'est magnifique. Voilà notre riz au vermicelle et aux épices. Riz au vermicelle et aux épices. Garam masala. Nous allons manger ce riz avec des ailes de poulet farcies. Notre plat préféré. Le plat signature de Malewa moderne. Voilà, c'est enfin prêt. Voilà, notre riz est là. On mange ça avec des ailes de poulet farcies. Il est là, le riz. Au vermicelle et aux épices. Très facile à faire, très bon. Visuel intéressant. Donc, c'est juste des pâtes et du riz. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Essayez de reproduire cette recette chez vous. Et au cas où ça ne vous aurait pas plu, revenez une prochaine fois. Nos recettes sont tellement variées que ça arrivera bien qu'un jour vous trouviez votre bonheur. Voilà. L'émission Moseka de Malewa Moderne vous dit à bientôt. Très heureux de vous retrouver très nombreux, le fidèle qui prépare l'émission Moseka de Malewa Moderne. Up the wind, the clouds break, the shadows.